tout est venu de ça, de ces deux volumes de ce livre extraordinaire, le Si Yu Qi. Si Yu Qi. Si Yu Qi. Ça va prendre des cours. Hein, c'est... Et qui est un livre absolument, absolument incroyable qui raconte donc cette odyssée. Et il a été écrit par Wu Qiangneng au 15e siècle, je crois, on dit. Oui, hein, c'est ça. Une dynastie, oui. Ouais. Mm. Et c'est c'est une histoire qui se serait produite en tout cas, un voyage qui se serait produit vers le 6e siècle, hein, c'est ça, ça. Hein, voilà. Et évidemment, quand on dit « the travel to the West », le voyage en Occident ou la pérégrination vers l'Ouest, c'est évidemment de la Chine vers l'Inde, puisque, évidemment, aller chercher les livres de la vérité dans les pays de Bouddha, c'est aller de Chine en Inde, donc c'est le voyage en Occident. Alors, mon frère m'a offert ça, j'avais à peine 17 ans, mon grand frère, Alain Kremski-Petit-Girard, qui était non seulement un très grand compositeur, que j'ai eu la grande tristesse de perdre il y a 3 ans, mais qui était un musicien hors pair. Et donc moi, j'ai eu la chance d'avoir mon grand frère à la maison comme un professeur, presque. Parce qu'à 10 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, j'ai commencé à composer beaucoup, et il était là. En fait, le premier thème que j'ai écrit, évidemment, bon, je me suis dit, ça ne peut pas être finalement le thème du singe, c'est évidemment le thème du moine. Mais en fait, le thème du moine, pour moi, il n'y avait pas vraiment un thème du moine de Sanzang. Il y avait profondément, c'est le thème de Kuan Yin, quoi. C'est-à-dire cette déesse qui va lui... Ça commence par son rêve. D'ailleurs, je pense que dans le ballet, je suggérerais à Yamin Wang, la chorégraphe, de commencer dans le silence, même. C'est-à-dire, le rêve, la musique n'a pas encore commencé, quoi. Oui. Et quand j'ai cherché ce thème, et que je l'ai trouvé, que... Ça, c'est le thème. J'ai décidé, après une rencontre avec notre cher ami Dong Qiang, qui est un merveilleux bonhomme, qui était, je crois, le patron du département français de l'université de Pékin. Hein, c'est ça. Voilà. Et c'est un homme absolument remarquable, qui en plus m'a fait le plaisir de rencontrer Yabing Wang, qui est une incroyable chorégraphe aussi belle que talentueuse, et qui est elle aussi passionnée de ce livre. Mon frère me fait découvrir ça. Je décide finalement de me lancer dans cette aventure, et je lui annonce ça un mois avant sa disparition. Il était très ému, parce que finalement, c'était 55 ans après avoir eu le livre que j'y allais, quoi, presque. Bon. Ou un peu moins. Et puis, il s'est passé ce phénomène incroyable où vous étiez là, d'ailleurs, tous les deux. J'étais dans l'appartement de réception de l'Académie des Beaux-Arts, au premier étage du Quai Conti, dans ce magnifique Institut de France. Je relisais le livre, parce que, vous voyez, il y a 1000 pages, hein, fallait se remettre dedans. Et puis, je devais aller faire quelque chose à l'Académie, je descends, et juste en dessous,
l'appartement, il y a un atelier d'artiste dans lequel est Pierre Caron, peintre, membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui était d'ailleurs même le président de l'Académie. Et j'arrive devant et je vois mais une dizaine de jeunes femmes chinoises, plus jolies les unes que les autres, un photographe et un moine. Et Pierre me fait signe de rentrer, je rentre. Et alors c'était, il me dit, je te présente, c'est un moine chinois qui fait lui-même d'ailleurs ses peintures, ses pâtes, et nous exposons ensemble. Et je vois cet homme magnifique, en bonze, et je lui dis, donc je fais traduire, bien sûr, parce qu'il parlait ni français ni anglais, je lui dis, c'est incroyable, je commence à travailler sur le Si Liu Qi, et vous êtes pour moi exactement le moine Sang Tsang, le moine tel qu'il est décrit, je l'imagine comme vous. Cet homme me fait un sourire un peu extraordinaire. Oui. Il appelle le photographe et à l'intérieur de l'appareil photo du photographe, on me montre un tableau d'un singe, plus exactement du singe, au moment où il se transforme, il utilise ses 72 pouvoirs de transformation et il y a autant de petits singes autour comme ça. Et je dis, c'est quand même incroyable, je suis au-dessus. Et à ce moment-là, vous croyez que c'est vous qui me dites ça? Oui. Vous me dites, oui, mais attendez, vous n'y êtes pas du tout. Bien sûr, il est peintre, mais il est avant tout le guide et le directeur spirituel d'un monastère qu'il a d'ailleurs en partie reconstruit, enfin réhabilité. Oui. Monastère qui est derrière Shanghai dans les montagnes et qui est l'endroit où l'écrivain de ce livre était au 15e siècle. Et d'ailleurs, au passage, cet homme, ce moine, est un des trois ou quatre plus grands spécialistes de ce livre en Chine. Et alors, vous vous rendez compte, quoi, je suis au premier étage à Paris, en plein temps, dans le 6e arrondissement, je descends d'un étage au moment où je suis en train de travailler là-dessus, et je tombe sur un des hommes qui connaît en plus, non seulement mieux, parce que c'est un livre bouddhique, donc bouddhiste, donc il y a toute cette dimension, et il me fait un grand sourire, et il me dit, c'est peut-être un signe. Dans cet incroyable livre, toute la première partie, c'est la lutte du singe contre les dieux. On va même l'appeler grand saint égal du ciel. Il va chez un grand maître qui lui apprend les 72 pouvoirs de transformation. Mmh. Donc chaque fois qu'il s'arrache un poil, ça fait un autre singe à côté de lui. Donc il devient invincible. Comme les dieux sont un peu inquiets, on le nomme ministre des chevaux. Alors comme ça, il est content et donc il arrête de faire la guerre. Mais il découvre que le titre de ministre des chevaux n'est pas dans la hiérarchie. Et il se trouve que le ministre des chevaux a comme premier devoir, curieusement, de garder en sécurité le jardin des pêches de l'immortalité. Donc il est tellement furieux qu'il bouffe toutes les pêches de l'immortalité. Il est donc maintenant grand saint égal du ciel et immortel. Donc ça, c'est toute la première partie du livre où il se... toutes sortes de batailles, jusqu'au moment où Bouddha en a marre et pose sa main sur le singe qui devient une montagne qu'on appelle le monde des cinq éléments et il est emprisonné vivant. Et c'est lui que, des années après, c'est très longtemps après, le moine va venir libérer. Et c'est donc un truc incroyable, parce qu'il vient le libérer, mais Kuan Yin dit, attention, il faudra que tu arrives à lui mettre un cercle d'or autour de la tête, dissimulé dans un bonnet, et qui rétrécira suivant une certaine formule, de façon à en garder le contrôle.
mais je crois qu'en France, on ne se rend pas compte à quel point ce livre est important en Chine. Qu'est-ce qu'il représente? Par exemple, pour vous, toute jeune, c'était quoi ce livre? C'est dans la culture, c'est dans... Oui, je pense que ce livre, c'est parmi les quatre plus importants livres dans l'histoire de la Chine. Donc, Xi Youji, c'est un des premiers. Et par moi-même, on est grandi avec ce livre. Mm-hmm. Enfin, pas le livre épais comme ça non. Au début. On a lu ce petit dessin pour les enfants, tout petit comme ça, l'âge de 5 ans, 6 ans. On a déjà connu la plupart de l'histoire, mais après, petit à petit, on lit les grands livres. Oui. Mais je pense que toute la Chine, n'importe qui a cultivé ou les paysans, tout le monde connaît ce livre. Alors, ce qui est évidemment drôle, c'est qu'au fond, ça se rapproche un peu des sept mercenaires, enfin, ou du moins des sept samouraïs. C'est-à-dire que le voyage commence, puis ils vont libérer le singe, puis après, il y en a un deuxième qu'ils vont libérer, qui est Pakiai. Alors, Pakiai, c'est une sorte de porc, de sanglier comme ça, qui représente vraiment la chair. Il a tout le temps faim, et puis il va être en conflit permanent avec le singe. Il va d'ailleurs, par moments... faire en telle sorte que le moine va bannir le singe parce qu'il ment Pakiai. Et puis le troisième, Chaseng, qui lui représente plus la pesanteur, l'émotion. Mais ce qui est incroyable dans l'affaire, c'est que moi, c'est ce qui m'a vraiment fasciné. C'est-à-dire que ces personnages, au début, ils vont combattre. Pas le singe, mais les deux autres, ils vont les attaquer. Il va y avoir un combat à chaque fois. Voir Kuan Yin, de temps en temps, la déesse qui va venir donner un coup de main. Et alors, le thème de Pakiai, lui, c'était drôle parce que il y a cette force qui était comme ça. C'est peut-être, pardon, je dis, il y a cette force, mais c'est avec un... avec un seul dièse, absolument. D'abord, ce personnage de Sun Wukong. Vous savez, il y a un homme merveilleux que j'aime beaucoup, qui est Zhang Wexing, qui est le grand photographe. Hein? Wexing Zhang. Je ne sais jamais si on doit dire Wong Wexing. On dit le nom d'abord. Wong Wexing. En chinois, Wexing. C'est d'abord le nom d'abord. Oui, c'est ça. Ouais, Wong Wexing, c'est ce qui me semblait. Et c'est un très grand photographe. Et qui est un homme passionné, qui a construit un musée de la photographie incroyable à Chengdu. Oui. Et il m'a dit, vous écrivez sur le héros de mon enfance. C'est ça. Et c'est lui qui m'a offert le Sun Wukong. C'est le petit Sun Wukong là qui était devant moi quand j'ai composé. Et
il m'a permis, lorsque je suis allé en Chine, il m'a fait ce cadeau extraordinaire de me permettre d'aller dans quelques-uns des endroits où est passée cette histoire. Et ça, ça m'a... C'était vraiment très fort. Mais au fond, ce Suen Wukong, il a une chose quand même, il est le rebelle. Oui. Et peut-être que dans des périodes difficiles de la vie en Chine, il y avait une identification, ce personnage, il prenait une autre dimension, il est le rebelle. Et puis, j'ai eu une autre aventure qui m'a bien sûr beaucoup touché, c'est que quand je suis allé pour l'Académie des Beaux-Arts en Chine, j'ai rencontré un formidable sculpteur qui est Wu Weishan, qui est d'ailleurs correspondant de notre académie dans la section de sculpture. Et on était dans son atelier, tu te rappelles, et on parlait comme ça, et j'ai été voir toutes les sculptures magnifiques qu'il a faites dans le musée qu'on voit. Il y avait une grande exposition qui lui était consacrée. Et je lui ai dit, mais finalement, tu n'as jamais fait Suen Wukong, comment ça se fait? Il me dit, oh, hop. Et il va sur sa table de travail, et il commence à dessiner, ça n'a même pas pris un quart d'heure avec là, et voilà ce qu'il a fait. Et alors, ce qui est très émouvant, c'est qu'en dessous, il a mis, c'est le fleuve quelque part. Et donc, c'est la Seine. Tu peux nous dire ce qui dit exactement le texte à droite? Oui, en fait, en chinois, c'est « Teng yun jia wu dao ba li ». C'est comme, vous savez, Sun Wukong, oui, qui a très facile aller, oui, une pas très loin. Tu peux voler facilement. Que j'allais voler facilement. Donc, dans cette phrase, il a dit, Sun Wukong, il prend le nuage, il traverse le brouillard, il arrive à Paris. Donc, la scène, c'est voilà, en alors, bas. Là, maintenant, j'ai un tout petit peu triché, parce qu'après l'avoir eu à Paris, je l'ai amené ici au moment où je composais, et donc c'est Lyon en bas. C'est Lyon. C'est plus là. Budapest, l'intérêt, c'est que le Hungarian Symphony Orchestra, c'est un orchestre qui fait surtout beaucoup d'enregistrements dans des périodes assez resserrées. Pourquoi? Parce qu'il est composé par des meilleurs musiciens des trois orchestres principaux, c'est-à-dire essentiellement l'orchestre festival, l'orchestre national, il y a aussi de la radio, de l'opéra. Mais donc c'est une crème, cet orchestre. C'est un rêve, hein, Paul. On a oui, eu un grand plaisir. Une réactivité terrible. Alors de temps en temps, on lisait, vous verrez, il y a un moment très amusant, il y a un moment où on lit des formules avec les cuivres qui montent, des formules rythmiques de plus en plus complexes, c'est le pays de Bartok, hein, donc ils ont drôlement l'habitude. Mais n'empêche qu'à la première mesure, la première lecture, on n'est pas encore au truc, c'est déjà très bien, mais évidemment on va faire mieux, mais la première lecture, vraiment, on enregistrait, quand on est arrivé au bout, mais il y a eu un éclat de rire général, quoi, parce que c'était une sorte de folie. Thank you.
J'ai trouvé aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est qu'ils ont assez la couleur française, par moments dans les pianissimos notamment. Ils sont capables. Hein. Oui, ils sont très intelligents, ils ont l'habitude, ils font beaucoup, beaucoup de musique très différente. Ouais. Donc ils sont très ouverts, spécialement la musique contemporaine. Oui. Donc ça, c'est un atout de cet orchestre. Ils ont une force rythmique qui vient, ça, évidemment, de Bartók. Ils déchiffrent très vite, ils s'adaptent très vite, et ils ne sont pas trop râleurs. Non. Et puis, j'étais surpris du cor anglais aussi. Ouais, c'est rare d'avoir un cor anglais, parce que c'est vraiment une tradition des bois, de l'école des bois française, ça. Et là, vraiment, on avait une femme qui jouait magnifiquement. Alors, le thème de promenade. Qui est un thème que ça, où le principe, c'est que jamais personne n'est en même temps que l'autre. Et c'est une chose que j'ai mis très souvent dans le ballet, ça, c'est que les thèmes sont décalés par rapport à l'accompagnement, pour avoir ce côté flottant. Tout d'un coup, c'est la résurrection de l'arbre ginseng. Ça, c'est un thème qui est très puissant.
Bien, tu comprends comme ça que... Ben, très bien. I think you manage well the problem with the percussion. It's a good control. It doesn't invade the whole thing. Huh? And the fact that they are behind me, of course, sometimes I have to conduct like that a little. But finally, I have them much more on control than if they were totally at the opposite. It's true in acoustic relief, also because the most difficult thing in this case is the timpani, the very low. Yes. Because if it's not in the middle, it's very, but it can be controlled, the not so low instruments. Il y avait pour moi une chose très importante, c'est le rapport avec la danse. La danse, c'est le mouvement. Et je souffre, moi, dans beaucoup d'œuvres de musique contemporaine, de l'absence de pulsions rythmiques. Je trouve, alors on va souvent avoir des choses où il y aura des jolis climats harmoniques, des choses comme ça, mais il y a un moment donné où... Voilà, et ça, pour le ballet, c'est essentiel. Avec en plus... une autre idée, alors qui va être peut-être un peu plus compliquée pour les danseurs, mais quoique, moi je suis très fasciné par des rythmes asymétriques, mais qui donnent au bout d'un moment une sensation de symétrie. Et en fait, quand par exemple il y a le rythme mi, 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 ré, mi, fa, sol, mi, 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 ré, mi, fa, sol, là, en fait, il y a une mesure dans laquelle il y a une double croche de plus. Mais on ne la sent pas. Par contre, quand on la joue, faut bien la faire. Et, ou alors, souvent, de temps en temps, d'enlever une croche ou quelque chose qui fait qu'on brise la symétrie. Parce que pour moi, c'est très important. Alors après, pour les danseurs, c'est un travail très intéressant. Quoique, Paul, toi qui as dirigé des ballets aussi, c'est extraordinaire la proportion qu'ont des danseurs à réussir à compter 4. Là où, même sur le sac du printemps, dans la danse, tu les vois qui comptent à 4 temps, tu dis mais comment ils font hein, c'était là. Non. Ah ouais. Bah c'est terrible. Ouais. On entend quand on entend les danseurs, mais sur les recommandations des chorégraphes souvent. Oui, bah ils n'ont pas toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, et au milieu il y a eu des 5, 8, des 7, 8, il y a eu tout ce qu'on veut. Oui. Cette élévation, voyons voir.
I'm so satisfied, you know. Yeah. No, I think it's a very, very good cooperation. And musicians like very much working with you. That's the point. I mean, we had quite a few musicians who asked, when will Maestro Petit Gérard come again? Because they want to do something. Yeah. I have to say, we are all waiting for this. And obviously, also, they look at the score before. Not only look at the score, but we had quite a few musicians who did look in the internet on YouTube for Petit Gérard and other recordings. So they wanted to know what it is. It's not just the score. New musicians checked your recordings. So now, you know, we are all a little bit Chinese with this story because it's such an incredible story. This monk who go with the king of the monkeys to look for the books that Buddha wrote, the book of the truth. So they have an incredible journey with a lot of monsters everywhere. And when they arrive at the end, the book are blank because the truth is in the journey. So we are doing the journey. So we are maybe monk at the end of the day, who knows? Yeah. And anyway, thank you very much to both of you. Thanks to you. And I'm very it's happy. It's an honor for us. Absolutely, it's a pleasure for us. Okay, absolutely. Thank you, thanks. Thank you. C'est que j'ai connu ton frère très vite quand je t'ai connu, il y a 35 ans. Tu as toujours paru quelqu'un de très extraverti, autant que lui était introverti. Ces deux aspects de deux frères qui s'aimaient autant, qui s'admiraient autant, parce qu'il y avait une admiration sans borne l'un pour l'autre, c'était étonnant de voir le yin et le yang dans ces deux frères. C'était extraordinaire. Et je pense que ta recherche de son côté mystique à lui correspondait à sa recherche de ton côté extrêmement bienveillant avec tout le monde et extrêmement ouvert, etc. Il y avait cette recherche conjointe qui était étonnante. Et donc, en cherchant dans ce livre, tu cherchais une partie de lui. Ah oui, certainement. Je crois que c'est bien vu. Mais en même temps, ça montre aussi les choses, c'est qu'il y a le juste moment dans la vie pour faire les choses. Et même, je me suis rendu compte des fois sur des œuvres que je suis en train d'écrire, je prends des notes un petit peu, puis je me dis, allez, ça y est, ça va, j'y vais. Eh bien, si ça y est, j'y vais, c'est parce que j'ai envie d'y aller, mais que la chose n'est pas encore suffisamment mûrie, au bout de trois paffes, ça s'arrête. Et c'est même alors beaucoup plus difficile de le faire repartir. Un peu comme une casserole d'eau bouillante où on voudrait y aller alors que l'eau ne bout pas encore. Quoi. Et ben, le couvercle, il ne va pas se faire. Moi, j'ai une réflexion aussi. Quelle est l'intention de ton frère en te donnant ce livre? Oui. Ah, ouais. Bien sûr. Évidemment. Il ne s'est pas trompé. Et alors, mais quand je lui ai dit vraiment, c'était en novembre 2018, ben écoute, ça y est, il y a juste trois ans. J'y vais, je commence à, du moins à travailler sur le livret, sur l'argument, etc. Il était content. Puis alors quand je lui ai raconté le moine en dessous, alors là mon frère qui voyait des signes partout, alors là il était dans une joie absolument incroyable. Et voilà. Et d'ailleurs, l'œuvre lui est dédiée. L'œuvre est dédiée à mon frère.